Salut à tous, c'est Nexo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur World of Warships. Et aujourd'hui je suis avec mon petit croiseur Tier 8 Premium, l'Atago, qui est vraiment excellentissime. Donc en face de nous, on a quand même un porte-avions Tier 9, le Taiho là. C'est pas très la joie ça, c'est pas très très bon pour mes fesses. Sinon, après, ce qu'ils ont au niveau des bateaux, c'est que du tir en dessous de moi, à part les Mogami et les Atago, mais. Ça va être tendu, ça va être tendu. Bon, et ben on est sur point chaud, donc on est séparés en deux groupes. Regardez-moi ce magnifique Colorado. Regardez-le, il est beau. Et ça passe, ça passe. On va peut-être essayer d'aller caper le point B avant qu'il termine de le caper. Ce croiseur va quand même assez vite, hein, ça c'est un bon avantage pour lui. Après on ira se cacher dans les îles là. Et il a une bonne portée, une portée de 15 km. Hein, il est équipé de 5 tourelles de double canon de calibre 203 mm, ce qui est excellentissime pour lui. Ensuite, je suis repéré déjà. On a le Colorado à 20 bornes et on a un Mogami. J'ai des torpilles aussi, j'ai deux quads lance-torpilles qui ont une portée de 10 km. Et hop, on commence avec un petit incendie, 2000 de dégâts, il fait extrêmement mal. Hein, ce croiseur, il se fout pas de votre gueule. Je crois qu'il a ravancé, je sais pas trop. Hop, mise hors service du lance-torpille. On va prendre lui. Tac, et on va commencer à brûler sur cet attaque. Mille de dégâts, il m'a mis le salaud. Ah, j'espère que la torpille va au moins peut-être toucher, ou le Mogami qui a tenté sa chance. Je vais me barrer. Tiens, je t'ai rendu l'appareil, mon gamin. J'ai des petits coups de lag là, la connexion elle est pas fameuse. J'ai touché à la torpille, bon ça, bon, très bon. J'ai provoqué un incendie. Tourner nos canons de l'autre côté. Oh, je l'ai eu! Excellent! Oh, j'y croyais pas. Je croyais vraiment pas le shooter là. Par contre, le Colorado qui est pas vraiment heureux de nous voir, je le comprends. Ouais, bon bah écoutez, je prends le kill. J'étais vraiment pas sûr du tout de l'avoir ce kill sur la Tago. Je prends. Tiens, pendant que notre tourelle avant tourne, on va peut-être commencer. Ah bah non, ce Mogami est mort, donc pas besoin de shooter et on prend l'avantage pour l'instant. Leur porte-avions, le Taiho qui. Là-bas, un Mogami. Il va être hors de portée, je le crains. Ah, ce croiseur est vraiment excellent. Il a une bonne capacité de survie en plus. Il a pas mal de points de vie. On voyait 40 100, c'est excellent. Oh, bah ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien, bien même. Et il est pile à portée. J'en profite. Ah, le Colorado qui me veut moi. Hein, j'ai pas compris pourquoi. Mais en tout cas, je lui apprendrai à viser. Hop, ça touche et il est hors de portée. Ça sert à rien de s'acharner. Par contre, se rapprocher, c'est faisable. Le New Mexico qui est tier 6, le Colorado qui est tier 7. C'est jouable entre les deux, surtout que le New Mexico a plus de vie vu que l'autre ne doit pas l'avoir full. Tac, il y a moyen de se rapprocher un peu d'eux en utilisant la couverture de l'île.
Ça peut être sympa ça. Est-ce que les torpilles ça a rechargé? Ouais. Très bien. Cool. Écoutez, un début de partie plutôt intéressant. On profite. Ah, le New Mexico qui prend cher quand même. C'est chaud. Je vais repasser mes canons de ce côté en fin de compte. Car je vais tourner à gauche dès que j'ai passé l'île. Et ce croiseur va vite hein, quand même. Vous voyez, 35,4 nœuds au niveau de la vitesse là. Il va plus vite que certains destroyers de plus bas tiers forcément. Par contre là j'arrive un peu trop proche du Colorado. De ce qui me regarde moi. Pas tirer sur moi ce neuneu. Hop, un petit 4000 de dégâts, parfait. Avec un petit incendie, du bonheur. Il est long quand même à recharger la Talgo. Hein. Alors, je suis pas sûr que ça passe. Ouh, ça passe! Le Mogami. Je fais confiance à mon ami Latago. Ouh, je vais prendre cher. Exactement. Qu'est-ce que je disais? Allez les torpilles, j'ai confiance en vous. Ou un peu derrière quand même. Ouh, yes. Oh yes! Ah, la distance où je lui ai mis ses torpilles. Ouh, désolé Atago, on va peut-être se percuter. Non. Oh, c'est bon ça. C'est carrément top cette partie là. Oh, le Colorado, je suis content de ce que je lui ai mis. Je vais tenter de passer à l'AP après. Le Mogami, il est mort derrière ou pas? Je crois pas. Encore 10 secondes pour les torpilles. Si je pouvais critique. Oh là là, très bon, très bon. Allez hop, on passe à la paix. Peut-être que la paix, ce sera pas mal. Les torpilles. Ah, c'est pas mal la paix sur celui-là. Aïe. Ah putain, je vais m'en prendre une. Même deux. Aïe, j'ai pris très cher sur ça. Mon dieu. Ah, la boulette. Aïe, j'ai pris extrêmement cher. Il a largement l'avantage sur moi au niveau des points de vie. Il va m'achever là, maintenant, tout de suite. Voilà. Ah, merde! Ah, j'ai pas fait attention, je suis dégoûté. Bon, c'était pas mal. Le début de la partie était plutôt bien engagé. Pourquoi je peux pas aller voir les autres? Voilà. Putain, je lag là, c'est quoi ce délire? Non, je lag même pas, j'ai même pas le petit lag qui s'affiche. Si, ça y est. Ça, c'est un truc que j'aime pas. Voilà, le mec est content. Le mec, voilà, ah, ta gauche, vous ai niqué. Non, t'as fait une belle action, c'est bon, détends-toi. Bref, ça devient un peu plus compliqué là. Il nous reste 3 cuirassés, donc le Colorado, le New Mexico. Ouh, il est beau lui. Pas mal, belle bête. Le fuseau qui est en très mauvaise posture en même temps avec leur porte-avions tiers 9.
C'est compliqué. C'est quoi ce lag là? Ça sort d'où? Ah, ces avions buggés, vous avez vu, ils sont rentrés dans l'eau, mais. Bon, allez, allume ces deux cet IO là. Fais-toi plaisir, Colorado. On va rester regarder un peu les autres ce qu'ils font. Il a l'air d'avoir complètement loupé ses tirs. Ce qui est fort dommage. Le fuseau qui va pas tarder à le lâcher. Les torpilleurs qui arrivent. Donc le Taiho porte-avions tir 9 japonais. Il va prendre. Là il va prendre tellement cher. Là il va prendre tarif. Aïe 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 aïe. Ce qui va se bouffer. Ah non, ça va. Je m'attendais à ce qu'ils prennent plus cher. Putain, mais il s'est pas visé ce bonhomme. Hein. Il s'est pas visé. C'est tendu. Il a pris une bombe là. Faire défoncer hein. S'il vise pas mieux que ça, non mais sérieusement. Ah, quand même. Mais je suis sûr que cet idiot il tire à la paix, hein. Faut tirer à la cheville sur le portail. Allez, adieu. Où ça? Adieu. Avec le feu et l'inondation, fini. Plus de Colorado. Punaise, mais quel idiot. Ils savent. Et il nous reste plus que le fuseau, je crois. Le fuseau qui... Ah non, le North Carolina. Ah, on a un North Carolina. Et il est toujours vivant, le Mogami. Hein. GG à lui. Bon, écoutez. Cette partie va se terminer. Donc, je vais faire une petite ellipse. Et je vous retrouve tout de suite pour une deuxième partie avec cette Tatago. A tout de suite. Et nous voilà re. Donc, on est sur Nord ce coup-ci. Un Amagi tier 8, ça va piquer un peu ça, il va un petit peu dominer la game je pense. Pas mal de Mogami d'Atago en face, un Cleveland en face, nous on a 3 Atago, des Pensacola, Sims, Mutsuki, Warspite, New Mexico, Nagato, Colorado, ils ont 2 Fuso, un Congo. Ok. Ok, ok, ok. Ils ont un Indépendance, on a un Ryujo, sachant que l'Indépendance a de bien meilleurs chasseurs que le Ryujo. Ça va être une partie compliquée. Le Pensacola est un très très bon navire. Le Mogami Atago, ouais, bon ça se voit, ils ont juste un tier 8 de plus au niveau des croiseurs. Et nous, on a... Ouais. Alors, la partie n'est pas vraiment à notre avantage là. Je l'avoue. Les canons par là, pourquoi ils sont déjà tous à droite? Alors je leur ai rien demandé. Ça c'est le temps de chargement, ça c'est magnifique, c'est magnifique. Le temps de chargement, fuck that. Tac. Et on va se rapprocher un peu. Parce qu'en fait moi j'ai le chic d'aller toujours à l'endroit où il y a tous les ennemis. Donc je me fais un peu défoncer. Je l'avoue. Le Ryujo, est-ce qu'il est... Le Ryujo est très moche, hein, regardez ça. Ah là, on le voit pas bien, mais... Il est très très moche, le Ryujo. Je le trouve trop laid. Allez hop, on va envoyer notre petit zéro décoller, là. Allez hop, chop chop. Voilà. Ok, un fuseau qui arrive, sachant que je serai largement à ça. Moi, je suis largement dans son rayon de shoot. Waouh, New Mexico, désolé si je... Oh, on n'a pas touché. On n'a pas touché le Cleveland. Le Cleveland qui a apporté. C'est sur le Cleveland, si on peut le dégommer direct. Voilà. Déjà, ça le dresse un peu.
faire ce shoot. J'ai mis des modifications qui permettent les. Qui. Ouf. Il s'est fait violer par quoi là, Boomer? Oh, il s'est fait découper par un Atago. J'ai pas compris comment, mais. GG. GG, GG. C'était magnifique. Je tiens à le dire. Ah, j'ai tenté ma chance, mais il s'éloigne donc. Quoique, peut-être l'avant. Un petit peu devant, c'était pas trop mal au niveau du lead. C'était pas mal du. C'était pas mal tenté quoi. Allez, on va essayer de se rapprocher un peu. Passer à côté de cette île. La magie qui va être vraiment le danger principal sur cette game. C'est l'ult top tier au niveau de la puissance de feu, du blindage, tout ça. Donc moi aussi je suis top tier, mais pas vraiment pour les mêmes raisons. La Tago là-bas qui a l'air. Qu'est-ce qui branle? Ah, je sais pas, j'avais l'impression qu'il était bloqué. Ne t'inquiète pas, petit bateau, j'ai vu qu'on fonçait droit dans le caillou. Un fuseau à 19 bornes, un autre Atago. Ils ont. Ok, donc ça veut dire qu'il est en train de tourner. Oh, je vais peut-être même pouvoir lui envoyer une petite salve de torpille. Non, oui. Il fait quoi? J'arrive pas à comprendre ce qu'il fait là. Je crois qu'il nous attend en fait. Il est malin. Allez hop, on envoie. Oh, il y en a un là. Le Mutsuki est là. C'est bloqué. Our team has taken the lead. Hop, un destroyer coulé. Enemy destroyer blown up. Ah ouais, blown up là. Un obus pour le tuer. Ah, je le sens que là, l'étoile elle tourne plus vite déjà. Je vous le dis. Torpilles qui sont spot de loin. Ouh, ça va toucher ça. Je crois même qu'il a kiffé. Et normalement je devrais être trop loin pour ces torpilles. Je sais, mais regarde, on est bien là, on est bien. Allez, c'est quand qu'il y a le soir de portée là quand même. De toute façon, j'ai pas trop à m'en faire. Voilà. On va pouvoir faire demi-tour. Pas mal, pas mal, presque. Il faut. Ah, viser bien devant, hein. Ça va être trop là. Oh, quoique. Ça a touché. Bon, là, j'ai tiré un peu n'importe comment. Bon, il revient en arrière, attendez.
Ah! Il a réavancé juste derrière. Dommage. Bon, on en est où nous? On a perdu qu'un destroyer, ils ont perdu un de chaque. Écoutez, moi je vais aller à la chasse à ce Mutsuki, hein. Je vais pas me priver. Je vais aller prendre C. Surtout que lui va aller prendre D, donc... Pour l'instant, on n'est pas trop trop mal. On n'est pas trop trop mal. J'ai un autre Atago qui arrive là. Il va falloir l'accueillir comme il se doit. Il est là. Allez, où t'es mon pote? Ah, il est là-bas. Il est que là-bas. Normalement là, là les torpilles devraient faire le travail là. Adieu. Je l'avais prévu. Je vais balancer des torpilles là au cas où. Que le Mutsuki veuille revenir. J'ai pris cher quand même sur la Tago, hein. J'ai pas vraiment shooté au canon moi, mais il m'a mis mal, il m'a mis mal. Hop, qui a fait le point. C'est cool. On a un fuseau là-bas. Fuseau horaire, YOLO. Fighter ready for takeoff. Pas mal. Oh, putain, je vais vite tourner par contre. Ça va, j'ai pris que un hit. Un autre Atago. Ça pique! Ah, le fuseau il picouille là! Vite me tirer de là, moi! Pas envie de crever bêtement! Oh no way! Oh, le Mutsuki qui va me la mettre. Oh, 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 le salaud, il est là. Là, ça va être compliqué, là. Non, ça passe. Ah bah là, lui, je l'ai pas loupé. De portée pour moi, j'ai réussi à m'enfuir, je suis content là. Youpi. Ah, bon.
C'était pas gagné. C'était pas gagné. Vraiment, le Mutsuki là, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Ah, bah, il a loupé ses torpilles, mais d'une façon totalement. Ouais, mais c'est des torpilles alliées. Il a loupé ses torpilles d'une façon totalement parfaite pour moi. Je suis très très content. Il me reste 8000 points de vie. Ça va être compliqué. Il reste 7 minutes 13. On devrait, pour la, celle-là, elle est gagnée. Hein. Je pense qu'on est plutôt bien parti pour la win. Ah, punaise, j'ai pris très très cher. Voilà, eux aussi, ils ont pris cher au niveau de leur équipe là. Ils ont perdu la moitié de leur équipe pendant que nous on a perdu 3 Gugus du coup. C'est quoi ce qu'on a perdu? Un Nagato, un Natago et un Sims. Par contre, le Nagato qu'on le perd, c'est un peu con. Le tier 7. Ouais, il reste la Magi tier 8 qui a fait un kill. Je sais pas où il est. Il est dans son spawn. Normal. Là où il peut shooter tout le monde. C'est tout à fait logique. Moi je serais bien les caper. Là j'ai trop hésité. Je serais bien les caper le point D en fin de compte. Ouais non, on va peut-être aller sur A du coup. Je fais n'importe quoi. Le Mugami, je vais me rapprocher de lui pour qu'il soit un peu à portée de tir. Par contre là ça va être compliqué. Ouh, sympa la petite épave là. Avec le Pensacola là, merde. Et bouge, espèce d'handicapé. Putain, mais il est focus là-bas. Oh là là. Bon bah, défait finalement. Je vais peut-être toucher le Mugami. Un hit. Je dis pas non. L'autre Atago, il lui reste 1000 PV. Allez le Mutsuki, finis-le. Allez, allez, allez. Do it. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo mythique de Shia LeBeouf. Do it. C'est trop trop drôle. Allez Mutsuki. Il lui reste 666 points de vie. C'est le fils du diable. Tue-le. Ok, on a un Atago sur D, ça c'est cool. Do it, Mutsuki, do it. M'oblige pas à le finir, j'ai pas envie de te kill steal. Tu le mérites. Surtout que je suis déjà à 3 kills. Dont 2 destroyers, oui d'accord. Mais bon, c'est le job du croiseur aussi d'en mettre plein la bouche aux destroyers qui sont quand même assez dangereux pour les gros bateaux. Avec leur vilaine torpille pas belle. La Magi qui va bientôt être à portée de tir. La Tago. Pas mal. Ça coule. Oh zut alors, j'ai perdu mon gouvernail. La Magi qui me regarde, ça pue le caca. La Magi va me rect là. Je vois l'obus arriver. Il m'a tué. Petit incendie sur lui. Chet. Our victory is in sight. Ah, je vais avoir besoin de toi, le Mutsuki, par contre, là. J'ai balancé mes torpilles, mais il est quand même vachement loin. Il est bien trop loin. Par contre, je peux peut-être aller. Putain de merde! Je peux peut-être aller chercher le Mugami. Au niveau du kill. Pas mal ça. Un peu court.
là là, je me suis niqué tout seul comme un grand. Bravo Nexos. On a gagné. J'ai survécu. Wouh. Oh, cette partie de ouf. Cette partie de ouf. Oh la vache. Oh, j'ai survécu. Oh, oh. Oh, j'étais mal parti pour la par contre pour la fin. Au niveau des points, on est forcément premier de la partie avec 4 kills. Pouf, le carnage à l'obus-HE, j'ai fait 30 989 dégâts, 11 819 par incendie, les torpilles, j'ai fait 18 986 dégâts avec 2 coups de torpille, j'ai touché 3 fois la Tago et le Couléo, mais ça c'est le dernier. La Magie, je l'ai touché 4 fois, le Cleveland 4 fois, lui je l'ai touché une fois et coulé, le Mahan. Le Fuseau touché 4 fois, le Mutsuki touché 10 fois et coulé avec 5 critiques. La Tago touché 7 fois, coulé avec 1 critique. La Tago touché 5 fois, Mogami touché 4 fois, qu'est-ce que j'ai coulé d'autre. L'autre Atago, voilà, on a nos 4 kills. Des dégâts reçus, pour vous montrer qu'il encaisse quand même. Un lobu AP, j'ai pris 25 coups d'AP, 34 171 dégâts, ça fait très très mal, et 3 coups d'HE à 962 de dégâts, et 12 de dégâts pour la collision avec le copain. Et donc j'ai gagné 315 179 pour 3126 XP, 157 free XP pour 40 hits, c'est tout, pas beaucoup de hits, en fin de compte, 2 torpilles, 1 avion, 5 critiques, 4 détruits, 5 incendies, 2 inondations. Une base défendue et une assistance à la capture, c'est tout bonnement magnifique. Je vais payer quand même très cher la réparation. Voilà, 77 456 de réparation. Ah, ouch. Ça fait mal, du coup j'ai gagné à peu près 250 000 crédits. Voilà, et bah écoutez, si cette vidéo avec la Tago vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner, à me suivre sur Twitter. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était Nexos. 3, 2, 1.